à tous. Ça nous fait plaisir de vous accueillir ce matin dans notre petite église de Saint-Georges-de-Beauce où on va partager une nouvelle étude du livre de la Genèse. La semaine dernière, on a parlé de Joseph qui était devenu le prince d'Égypte. Maintenant, on va parler d'Israël qui descend en Égypte. Pour débuter, j'aimerais vous présenter ceux qui vont partager avec moi. Il y a tout d'abord Paul Scalier, notre pasteur. Merci bien. On va terminer le trimestre en beauté avec cette histoire. Effectivement. Et il y a Jairo Arenas qui est avec nous, membre de notre église. Bonjour Jairo. Bonjour, merci beaucoup. Je suis vraiment content d'être aujourd'hui ici avec vous. Pour partager la parole, effectivement. Tout d'abord, on va débuter par une prière. Paul, tu veux prier pour nous? Prions. Notre Dieu, notre Père, nous sommes touchés par la richesse de ta parole, par la grandeur de ton amour, par l'immensité de ta patience envers nous, êtres humains. Donne-nous la grâce au travers de ces histoires du passé de comprendre comment tu veux agir dans notre présent et dans notre avenir. Au nom de Jésus. Amen. 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 Un verset qui résume bien notre leçon. Genèse 47 au verset 27, ça dit ceci. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen. Ils eurent des possessions, ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Alors, la semaine dernière, on a vu que Joseph était déjà en Égypte et qu'il avait maintenant une position honorable. Ouais. Il était le second après Pharaon. Alors, ce n'est pas peu dire. Il était le second dans le pays. C'était lui qui gérait tout le pays, Pharaon, pour peut-être aller à la chasse et il s'amusait. Il avait délégué tout le pays à la gestion de Joseph, sous la gestion de Joseph. Et il y a eu une famine, bien entendu, alors on le sait, et les frères de Joseph sont descendus en Égypte. Et maintenant, on voit que, cette semaine, que Israël descend en Égypte. Lorsqu'on dit Israël, c'est pas juste Jacob, dont le nom est maintenant Israël, qui descend, mais c'est toute la famille. Et un fait qui est important de souligner, on retrouve ça dans Genèse 47, versets 7 à 10. On va le lire. Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Jacob, « Quel est le nombre des jours des années de ta vie? » Jacob dit à Pharaon, « Les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. » Alors, on voit ici, au verset 7, Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Alors, on voit ici qu'il y a quelqu'un qui est invité dans le pays. Oui. C'est un berger, c'est une petite peuplade, ils sont 70 environ, ils sont 70 personnes. Et ils rentrent dans un pays qui est l'Égypte, où il y a un pharaon qui règne, où c'est un pays puissant. Oui. Et c'est Jacob qui bénit Pharaon. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? J'imagine, là, vous imaginez la scène. Joseph qui est habillé avec ses vêtements un peu de tous les jours, même s'il y a ses habits du dimanche, comme on pourrait dire, ou du sabbat, sont un peu mieux que ceux de la semaine où là, il va surveiller les brebis. J'imagine qu'il ne surveillait plus des brebis à ce moment-là. Et Pharaon qui est là avec toutes ses richesses, et Joseph arrive et c'est lui qui bénit Pharaon. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Je pense que à ce moment-là, Jacob accomplissait une promesse qui avait été faite à Abraham, comme de quoi le peuple d'Israël serait une bénédiction pour toutes les nations. Ouais. Et on retrouve ça dans Genèse 12, verset 3. On n'ira pas le lire, mais c'est une promesse qui avait été faite, justement, à Abraham, qu'il serait une bénédiction pour toutes les nations. Alors, on voit la réalisation, en partie, de cette promesse-là, alors que Joseph arrive, Israël arrive, et c'est lui qui bénit le pharaon. Wow! Moi, je trouve ça, c'est quelque chose qui m'impressionne. Mais on voit vraiment que, dans le plan du salut, là, cette bénédiction, ce peuple-là, devait être une bénédiction pour tout le monde. Mm-hmm. Et par extension, nous-mêmes aujourd'hui, parce que nous aussi, on est des fils d'Abraham par la foi.
Et on doit être une bénédiction pour toutes les nations qui nous entourent, nous aussi. Ça fait partie du message du salut. Alors, quand Jacob a quitté Canaan, je pense qu'il était heureux, malgré qu'il savait qu'il était dans le pays promis par Dieu. Il n'avait pas eu la vie facile avec toutes les choses qui lui étaient arrivées dans sa famille et tout, avec avec Laban, lorsqu'il était allé pour avoir ses femmes, etc. Il a été trompé. Et lorsqu'il a dû affronter Ésaü à son retour, etc. Et maintenant qu'il avait perdu Joseph, soi-disant dévoré par une bête. Et maintenant, ses frères reviennent d'Égypte, du deuxième voyage, et puis ils lui annoncent, « Ben, papa, tu sais Joseph, là? »« Ouais, je sais Joseph, ouais. » Ben, il est encore en vie. Hein? Quelle surprise! Oui. Non seulement il est encore en vie, mais c'est le second après Pharaon en Égypte. Wow! Il y a une telle puissance que... Oui! Qu'est-ce qui est arrivé à mon fils, Joseph? Alors, lui qui était le plus aimé, le préféré de Jacob. Alors, et il nous invite, justement, alors qu'il y a la famine ici, là-bas, ils ont tout ce qu'il faut, et il nous invite à partager ça. Alors, Jacob quitte avec plein d'espoir de revoir, justement, son fils aimé, et sa descendance aussi, ses fils, sa famille, et le lieu où il vit, etc. Il est heureux, sûrement, de pouvoir revivre ça, revivre ce moment-là, cette réconciliation aussi qui est arrivée sûrement avec ses fils à ce moment-là, qui ont dû avouer leur faute. Et qu'est-ce qu'on fait? J'imagine que ça ne s'est pas très bien passé sur le coup, mais après, il a dû leur pardonner. Il dit, OK, bon, on part, on descend en Égypte et on va rejoindre Joseph. Et dans Genèse 46, au verset 3, c'est Dieu qui s'adresse justement à Jacob directement, parce que peut-être qu'il y a eu aussi des hésitations, mais Dieu le rassure. Ça dit ceci, « Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père, ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. » Alors encore une promesse. Dans le livre de la Genèse, on retrouve beaucoup de promesses. Beaucoup de promesses, surtout concernant une grande nation, concernant les richesses, etc. Et c'était une promesse d'un avenir glorieux pour sa famille, pour sa nation. Et la liste des noms des enfants d'Israël qui étaient allés en Égypte, y compris les filles, est énumérée au verset 40, dans le chapitre 46. Et ça nous rappelle la promesse de fécondité que Dieu avait faite à Abraham auparavant, lorsqu'il lui dit qu'il aurait une multitude d'enfants, qu'ils seraient nombreux comme les étoiles du ciel. Ils n'étaient pas encore nombreux comme les étoiles du ciel, mais il était quand même 70 qui ont descendu en Égypte, 70 personnes. C'est un nombre significatif, 70, parce que... ça correspond au nombre des nations que l'on retrouve dans Genèse 10. C'est incroyable, mais dans Genèse 10, alors qu'on énumère toutes les nations qu'il y avait à ce moment-là, on voit justement qu'il y en avait 70. Alors on voit que la promesse qui avait été faite à Abraham de devenir une bénédiction pour toutes les nations devait englober toutes les nations, effectivement. Pas quelques-unes, mais toutes les nations. Et qu'il devait justement être une bénédiction pour le monde. Cette vérité va devenir encore plus évidente. À quel moment? À la croix. À la croix, lorsque le salut va être accompli et il va être offert à toute l'humanité. Toute l'humanité au complet. Maintenant, c'est à nous maintenant d'accomplir cette promesse-là, de devenir le peuple d'Israël spirituel pour répandre cette bonne nouvelle, que le salut est arrivé, que malgré toutes les tribulations que Dieu a dû subir, que le peuple a dû subir pour mettre cette promesse-là en place, elle est accomplie maintenant. Elle est accomplie et c'est à nous maintenant d'être les témoins de cette promesse-là. Et on pourrait lire dans Romains 10, versets 12 et 13, qu'est-ce qui se produit maintenant?
Quel est le peuple de Dieu maintenant? Est-ce que c'est seulement Israël, Israël, les descendants d'Abraham, ou c'est quelqu'un d'autre, ou c'est... Romains 10, versets 12 et 13, ça dit ceci. « Il n'y a aucune différence, en effet, entre le Juif et le Grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Alors aujourd'hui, on a tous, par l'invocation, par la repentance, par la soumission à Dieu, le même Sauveur, le même salut, tout ça qui s'est mis en place au cours des siècles à travers Israël, Jacob, etc., toute cette descendance-là, toutes les choses qui sont arrivées, et maintenant cette promesse-là est là pour nous, directement. Et elle est accomplie. Eux vivaient dans l'espoir de la promesse, et maintenant nous, on vit avec la promesse qui a déjà été réalisée. Alors, Jacob s'installe maintenant en Égypte. Jacob s'installe. Ouais. C'est curieux parce que on a constamment ce rappel que le ministère de ces gens doit bénéficier au monde entier. Oui. Mais pour que ça se réalise, il va falloir que Dieu les sorte de chez eux et les envoie un peu partout. Ben oui. Il faut que les envoyer en Égypte. Oui. Plus tard, il va les envoyer à Babylone, où on va retrouver encore un des personnes du peuple, Daniel, qui va être haut placé. Donc, on a l'impression que ce peuple doit se faire expédier un petit peu partout pour remplir la mission d'être en bénédiction à tous, avec cette différence qu'il y a un moment où ils doivent aller là-bas, mais il y a un moment où ils doivent revenir. Et pendant qu'ils sont là-bas, ils ne sont pas supposés perdre leur identité. Ils sont supposés être, comme nous, dans le monde, mais pas du monde. Et c'est ce que ces gens sont invités à vivre, finalement, dans cette période-là. Et on retrouve ça avec ce à quoi tu faisais allusion, cette bénédiction de Jacob sur Pharaon. Oui. Alors, il arrive avec 130 ans, donc il est un vieillard. Oui. Hein, et il y a encore bien des endroits dans le monde où l'âge va correspondre à beaucoup de respect. Oui. Le vieux, c'est pas méprisant, c'est très honorifique. Et Pharaon, évidemment, n'a pas 130 ans, donc il est normal que le patriarche vienne bénir le petit roi. Oui, le petit roi. Le petit roi. Alors, Pharaon va recevoir cette bénédiction-là. Il va recevoir cette bénédiction-là et ça se place dans cette perspective d'être en bénédiction à tous les peuples. Maintenant, Jacob s'installe là et j'aimerais donner quand même une petite explication par rapport au temps. Nous prenons généralement le texte de Galates et le texte de Genèse en disant que le peuple d'Israël va être esclave en Égypte pendant 430 ans. Ouais. Et nous, dans notre tête, esclavage, c'est travaux forcés, le fouet, etc. Alors, il faut remettre les choses un petit peu dans leur contexte, parce que les 430 ans en question partent de l'appel d'Abraham jusqu'au moment de l'Exode, oui. C'est-à-dire de 1875 avant Jésus jusqu'à 1445 avant Jésus, qui est le moment de l'Exode. Et cette grande période de 430 ans est coupée exactement en deux, par la venue de Jacob en Égypte. C'est-à-dire qu'entre l'appel d'Abraham et le moment où Jacob arrive en Égypte en 1660 avant Jésus, il s'est passé 215 ans. Pendant les 430 ans dont il est question dans le texte, les territoires où se trouve le peuple hébreu est effectivement sous domination égyptienne, oui. Mais pas sous esclavage égyptien. Donc les 215 ans, pour commencer, c'est Abraham-Jacob. Maintenant, quand Jacob arrive en Égypte, commence la deuxième partie des 215 ans qui le sépare de l'Exode. Moïse. Oui. 215 ans plus tard. Seulement, on apprend aussi que le peuple va devenir esclave dans le sens violent du terme. Physique. Travaux forcés, le fouet, etc. Après la mort de
Joseph. Ouais. Seulement, Joseph va vivre, après la venue de son père, Jacob, encore environ 70 ans en Égypte, avant de mourir. Ce qui veut dire qu'il faut retirer ces 70 ans environ des 215, et on va avoir approximativement, à peu près, 140 ans maximum, 100 à 140 ans d'esclavage littéral sévère. Ouais. Donc, ça nous permet de sortir de cette idée que le peuple va être fouetté pendant 400 ans. Non, ça va être un gros siècle pendant lequel ils vont être soumis à des travaux forcés, des travaux pénibles en Égypte. Donc, ça nous permet de resituer les choses dans le temps, et même si cette période est entièrement sous la domination égyptienne, ça ne veut pas dire qu'ils sont asservis pendant ce temps-là. On voit par exemple Joseph qui remonte pour l'enterrement de son père. Oui. Il arrive là-bas à Hébron comme s'il était chez lui. Oui. La population ne bouge pas, il n'y a pas d'armée qui résiste en disant « t'as passé la frontière » parce qu'ils sont sous la domination égyptienne. Oui. Par conséquent, le temps d'esclavage n'est pas ce que l'on pourrait imaginer, et le temps pendant lequel Jacob est là est un temps particulièrement favorable. Dieu bénit son peuple malgré tout, malgré tout. Et ce peuple va bénéficier des bénédictions matérielles que Dieu va donner pendant ce temps-là pour permettre que ce peuple puisse devenir un peuple reconnu parmi les peuples. Curieusement, c'est dans cette situation d'être à l'étranger qu'ils vont s'étendre, qu'ils vont grandir, oui, et qui va imposer le fait qu'il va falloir qu'ils sortent de là pour prendre finalement leur indépendance. Donc Dieu a un plan, et j'avoue que, comme dans nos vies, on a du mal à comprendre à l'avance comment le plan de Dieu va se réaliser, parce que nous vivons des hauts et des bas dans notre vie. Mais on dirait que le Seigneur en rajoute. Oui. Et que malgré cela, les moments peut-être les moins favorables sont entre les mains de Dieu, les moments où Dieu arrive à répandre sa bénédiction, avec l'avantage qu'on est obligé de reconnaître que ce n'est pas grâce à nous, oui, que c'est grâce à lui. Effectivement. Amen. Effectivement, une chance que Dieu a la situation entre les mains, la plupart du temps, parce qu'on n'irait pas loin dans la mission. C'est ça. Et Jacob se fait vieux et il bénit les fils de Joseph. Oui, on voit qu'à un moment donné, Jacob il est rendu en Égypte. Puis là, lui, avant de. Il était, alors que la mort approchait Jacob, là, il commençait à se souvenir des promesses qui ont été faites auparavant. Abraham, qui a été fait à tout le peuple de Dieu. Voilà. Et puis ça, c'est quelque chose que il y avait un espoir que ça allait arriver. Mais c'est comme nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on a l'espoir. Quel espoir que Dieu, Jésus, va revenir pour nous sauver, pour nous amener avec lui à la terre promise. Mm-hmm. Que nous, ça c'est quand même bien que nous, on a un espoir, que nous, on soit capable d'avoir toujours l'espoir, parce que si on perd l'espoir, c'est fini pour nous. Il y a une chose très intéressante, c'est que Jacob, lui, il bénit les enfants de Joseph, Manassé et Ephraïm. Mais la façon comme il les bénit, c'est particulier. Parce que là, lui, il croise les bras. Oui. Puis là, son fils, Joseph, lui a dit, « Non, papa, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Non, non, laisse-moi, je sais comment faire. » C'est la même chose, nous, aujourd'hui, avec Dieu. Dieu, lui, il nous bénit, il veut nous donner ses bénédictions. Mais nous, on le dit à Dieu, « Bon, Seigneur, c'est pas comme ça que je veux. » C'est comme ça, mais Dieu dit non, non, laisse-moi. C'est moi qui gère, qui sait ce qui va se passer.
Puis la bénédiction, c'était parce que ça fait partie de la promesse qui était déjà donnée, ça fait plusieurs années. Alors, nous voyons qu'il y a une fidélité. Dieu, il accomplit ses promesses. Il l'accomplit. Il les accomplit tous, mais à son temps, pas à notre temps. Et ça, c'est une des choses que nous, on doit apprendre aujourd'hui. La patience. La patience. À attendre que Dieu accomplisse ses promesses à son temps. C'est pour cela que ça nous apprend beaucoup de choses. Ça apprend la patience, on apprend à que la logique de l'être humain, c'est pas toujours la logique de Dieu. Non. C'est pas toujours. Aussi, on voit que Dieu transforme le mal en bien. Le pasteur vient de dire, le peuple était en Égypte pendant l'esclavage, pendant environ un siècle. Un esclavage très dur, ça a été très dur. Mais ce mal-là, il a été converti en quoi? En une bénédiction, parce que lui, après ça, Dieu les a sortis de là, puis les a amenés à la terre promise. Et ils étaient en grand nombre. Ils étaient en grand nombre. Ils étaient multipliés beaucoup. Beaucoup. C'est sûr que lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils ont souffert beaucoup. Tous ceux qui ont quitté l'Égypte, ils ont décédé parce qu'ils ne voulaient pas vraiment suivre la volonté de Dieu. Mais c'est quand même une bénédiction parce que lui accomplit ses promesses avec lui. Aussi que, on voit que même au milieu de tout ce qui se passe à Jacob, lui avait gardé à l'esprit les promesses de Dieu qu'il avait données à ses petites familles. Alors, ça nous appelle à nous de garder toujours l'espoir. C'est sûr que nous, comme êtres humains, il y a des moments qu'on vit qu'on est comme... On est découragé, on n'a plus d'espoir. Mais il faut se souvenir. C'est pour cela que c'est très important qu'on puisse apprendre la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, pour qu'on puisse apprendre ses promesses et les garder à nous. Ça, ça va nous aider à continuer l'œuvre de Dieu. Aussi, on pourrait lire Actes 3, versets 25-26. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. On voit là, c'est vraiment clair que lui, pour commencer, Dieu, pour commencer, il faut qu'il puisse avoir un peuple. Bénir. Puis parmi ces peuples-là, ou en utilisant ces peuples-là, il va venir le reste du monde. Puis comme on a vu dans la leçon il y a quelques semaines, il va nous envoyer partout. Ces bénédictions-là sont partout. C'est pour cela que nous, aujourd'hui, si nous sommes des bons chrétiens, si nous vraiment avons la crainte de Dieu, là où nous sommes, n'importe où, quel travail on fait, on sera une bénédiction pour nos employeurs et pour nos collègues de travail. Alors, prions à Dieu pour qu'on puisse être vraiment ces sortes de chrétiens, puis moi je dirais des ambassadeurs de Dieu ici sur terre. Et c'est une bonne question à se poser. Est-ce que nous sommes vraiment une bénédiction pour nos employeurs? Est-ce qu'on est vraiment une bénédiction pour nos confrères? Alors, si nous ne sommes pas, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Oui, et surtout parce qu'on voit l'histoire de Jacob. Jacob, lorsqu'il était chez son oncle, il était une bénédiction pour son oncle. Oui. Joseph. Il était une bénédiction pour le peuple égyptien. Oui. Même si lui, il travaillait pour les autres, il était une bénédiction. Alors, je pense que nous, on devrait être aussi une bénédiction là où nous sommes. Là où nous sommes. Jacob bénit les fils de Joseph, mais il bénit aussi ses fils. Moi, c'est un bout qui m'impressionne, la façon dont il bénit ses fils.
Je me suis souvent posé la question, comment est-ce que je bénirais mes enfants avant de partir? Mm-hmm. Mais bon, je te laisse élaborer. Mais on peut se poser la question, je repense à ce que Jairo mentionnait tout à l'heure. On voit Jacob qui croise les mains ouais. pour accorder la bénédiction principale ouais. aux plus jeunes. C'est ça. Et on se dit, mais est-ce que Dieu n'aurait pas pu conduire Isaac à faire la même chose? Ah oui, oui, oui. Ouais. Qu'il aurait fallu les oui. magouilles de, malade, de maman ouais. et de Jacob pour ouais. arriver ça à... Ça aurait pu être aussi simple que ça. Parce que là, ça se fait tout seul. Mm. Joseph lui dit, non, c'est pas comme ça. Laisse faire. Je sais ce que je fais. Laisse faire. C'est impressionnant de voir que... on a l'impression que Jacob a quand même appris quelques petites choses le long du chemin. Oui. Je ne sais pas si le Seigneur nous donnera 130 ans pour comprendre les mêmes, mais en tout cas, il arrive à la fin de sa vie, 147 ans, et il va bénir chacun de ses fils d'une bénédiction particulière. On ne peut pas s'empêcher, en voyant le texte, de constater à première vue que la bénédiction de Joseph est beaucoup plus longue que toutes les autres. Oui. Incontestablement, elle est beaucoup plus longue que toutes les autres. Joseph, c'est malgré tout dans la tête de Jacob, son fils aîné. Oui. C'est-à-dire, c'est l'aîné de sa femme, Rachel. Maintenant, il faut jeter un œil sur... On pourrait regarder plusieurs détails, mais je pense en particulier à la bénédiction qui est donnée sur Judas. Judas qui va jouer un rôle particulier dans toute cette histoire parce qu'il va être l'agent principal de la vente de Joseph aux Madianites qui l'emmène en Égypte. Mais c'est lui qui va se donner comme garant ouais. pour que Benjamin puisse venir. Donc, il y a là une transformation radicale qui s'est faite dans la vie de Judas et dans sa perspective. Et on apprend ici qu'il est présenté comme un jeune lion, le lion de Judas. Donc il va devenir le symbole de cette tribu-là. Et puis il nous est dit, le sceptre ne s'éloignera point de Judas, c'est le verset 10, chapitre 42, verset 10. Oui. Ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. On retrouve dans le Shiloh l'expression de celui qui apporte la paix, que l'on a dans Ésaïe chapitre 9. Le nom qui est donné, c'est entre autres, prince de la paix. Et on se rend compte que dans tout le plan du salut, il va falloir que tout peuple, toute tribu arrive à la soumission à Jésus-Christ. Parce que dans la lignée de Judas va venir le Messie. On a aussi un détail intéressant que l'on ne sait pas exactement comment utiliser, mais il est dit au verset 12, il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Mm-hmm. Où est-ce qu'on retrouve ces deux couleurs? On le retrouve dans le Cantique des Cantiques. Un texte intéressant, chapitre oui. 5. Cantique des Cantiques est une immense parabole. Oui. Jésus, l'Église, son peuple, n'est-ce pas? Et il dit, verset 1, « J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. Je cueille ma myrrhe avec mes aromates. Je mange mon rayon de miel avec mon miel. Je bois mon vin avec mon lait. » Et un peu plus loin, au verset 10, il est dit, « Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Ouais. » On retrouve cette distinction. Jésus, le bien-aimé ici, est présenté comme rouge et blanc. La pureté, probablement, le sacrifice, sans aucun doute. Deux couleurs qui ressortent ici de ce texte, dont on pourrait tirer probablement davantage avec un peu plus de recherche, mais on retrouve ici plusieurs indices qui nous conduisent vers Jésus. Cette bénédiction que l'on a ici au chapitre 49, on retrouve quelque chose de semblable à la fin de l'Exode, dans Deutéronome 33, avec la bénédiction que Moïse présente sur chacune des tribus. Mm-hmm. Avec quelques différences, parce que le temps a passé et parce que certaines tribus sont maintenant appelées à un rôle particulier. Dans Deutéronome 33, le rôle de la tribu de Lévi, par exemple, va devenir dominant.
Les autres vont peut-être passer différemment. Mais on a ici une montée de Lévi à cause du sacerdoce qui lui est confié. Alors que dans cette bénédiction-ci, il est mis de côté avec Siméon à cause du problème de Sichem qui s'est produit. Mais voilà une bénédiction qui est présentée sur des gens qui, comme nous, ne la méritent pas plus que ça. Non, absolument pas. Le Seigneur donne sa bénédiction et il donne sa bénédiction à des gens qui ont quand même énormément changé parce que dans toute cette pagaille familiale où les frères veulent tuer leurs frères, on arrive à la fin avec un homme, Joseph, qui va avoir développé au travers de l'épreuve une grandeur d'âme incroyable parce que ses frères lui disent ben, « Écoute, ça devient dangereux maintenant parce que tu as en main de quoi nous faire ramasser ce qu'on t'a fait. » Et Joseph leur dit, « Vous avez médité de faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment. Oui, c'est ça. Le Seigneur a cette capacité de transformer les situations et de transformer les gens pour que ces situations se développent en bénédiction. Et je prie vraiment que le Seigneur fasse exactement la même chose avec nous. Amen. Effectivement, merci. Pour ces bénédictions, cette description des bénédictions. Et maintenant, on a l'espérance de la terre promise. On est venu en Égypte et maintenant, on espère retourner. Retourner, certainement. C'est sûr que, on a dit tantôt, il faut garder l'espoir. Il faut vraiment qu'on soit, on puisse avoir toujours l'espérance que ce qui a été promis, ça se réalise. Ça se réalise. Alors, la conclusion du livre de la Genèse est faite de trois événements pleins d'espoir. Là, le premier, c'est quoi? C'est l'espoir qu'Israël va retourner à la terre promise. Ça, c'est très intéressant parce qu'on voit que Moïse a décrit la mort et l'enterrement de Jacob et de Joseph comme des événements pointant vers la terre promise. Ça peut nous faire penser qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus, la résurrection de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé. Là, il retournait où? Il retournait au ciel, d'où il venait. Oui. Là où il appartenait, où il appartient. Mais nous, à la fin, on va aller où? Soit on va rester ici dans le monde, si on appartient au monde, ou on va être avec Jésus, si on appartient à Jésus. Et que c'est aussi une promesse que nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, il faut qu'on garde l'espoir, l'espérance que c'est la terre promise. Puis à un moment donné, ça va arriver. Lorsque Dieu il va avoir dit, c'est assez, c'est fini. Alors, on voit que l'histoire nous montre que tout ça s'accomplit. Tout ça est arrivé. Mais aussi, il y a un deuxième événement, c'est que l'espoir que Dieu transformera les mal en bien. Oui. On l'a vu avec Joseph. Joseph, lui, a été vendu par ses frères. Il n'y avait pas beaucoup de bien là-dedans. Il arrive en Égypte. C'était un prisonnier. Mmh. Il a vécu des choses difficiles. En tout cas, il a passé tellement de choses pour que lui, il arrive à être le deuxième au pouvoir d'Égypte. Là, même aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que les mal qui m'arrivent, c'est pas pour mon bien? Ça, c'est des questions qu'on pourrait se poser tout le temps, mais aussi, on voit que Jésus il est venu pour pardonner nos péchés. Que là, Jésus, il a vécu quelque chose de mal, la mort, puis il l'a transformé en vie. Pour que nous, on soit sauvés à la fin, puis qu'on puisse avoir une vie éternelle.
On peut trouver ça en Hébreu 10:10, je ne sais pas si... C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Là, lui a donné sa vie, la mort, il l'a transformé en vie. Un mal, qu'on voit comme un mal, que lui est mort, mais lui l'a transformé en bien. Et c'est des choses que ça nous aide aussi. Même on pourrait lire Jean 3:17-18. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alors, on voit que Jésus est venu pour apporter le salut. Pour apporter le salut. Pour nous donner la vie éternelle. Puis, le troisième événement, c'est l'espoir que Dieu sauvera l'humanité. C'est sûr que l'histoire de la mort de Joseph dans ce dernier verset de la Genèse porte plus de choses que la mort de Joseph. On voit que Joseph lui a dit, OK, il faut que vous enterrez mes os. Mais il disait pas où. Lui, OK, il faut que vous l'enterrez, mais qu'est-ce qui s'est passé lorsque le peuple a quitté l'Égypte? Ils ont pris, puis ils sont partis avec. Mais tout ça aussi pour vous dire que Dieu, Jésus, lui, il vient une deuxième fois aussi pour sauver son peuple. Alors on voit qu'il y a toujours un lien. Chaque événement, surtout le troisième, Dieu va venir sauver. Dieu va venir, il enverra une deuxième fois Jésus pour sauver tous les peuples entiers. Alors, gardons cet espoir-là. Et surtout parce que si on lit Apocalypse 21, 1 à 4. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Merci. Amen. Alors, on voit là que ça, c'est la vraie terre promise. La belle promesse que Dieu nous a laissée, que lui va venir avec une nouvelle terre. L'apothéose. L'apothéose des promesses à Abraham qui vont se réaliser à ce moment-là. Alors, puis, nous, c'est sûr que ça va arriver un jour. Même si on veut que ça s'arrive, ou même si on ne veut pas que ça s'arrive, ça va arriver. Alors, nous devons garder l'espoir que cela va s'accomplir. Dans nos jours ou pas, va s'accomplir. Et nous, en tant que chrétiens, il faut qu'on soit pris. Si aujourd'hui Dieu nous appelle au sommeil, on doit aller dormir avec l'espoir que Dieu va accomplir sa parole et ses promesses. C'est aujourd'hui le jour du salut. Amen. Chaque jour de notre vie. Et on le voit à travers de cette histoire-là, de Joseph et Jacob, etc., alors qu'ils ont subi toutes sortes de choses, ils devaient toujours revenir. Et heureusement, Dieu transformait ce mal qui arrivait en bien. Et ça arrive effectivement, comme tu l'as mentionné, souvent dans notre vie où on vit des épreuves, on ne voit vraiment pas pourquoi. On ne voit vraiment pas quel bien va pouvoir sortir de ça. Mais il faut faire confiance. Il faut faire confiance. Toutes choses concourent au bien de celui qui aime Dieu. Même les choses que l'on juge mal pour nous, semblerait que oui. Et dans notre vie, on a souvent vu des choses que l'on considérait mal qui ont fini par tourner du bien, faire du bien. Alors, il faut garder cette foi-là qui fait que, justement, on a... Malgré les épreuves, malgré tout ce qui nous arrive, on doit constamment remettre
notre foi en Jésus seulement et continuer d'avancer avec la grâce qu'il nous procure pour supporter ces épreuves. Parce que lui va transformer les choses, en, le mal en bien. Et comme on l'a lu dans Apocalypse, le bien final, ça va être une apothéose. Ça va être, tu vois, Alain, Joseph termine en disant, « Mais Dieu vous visitera. Ouais. Il vous fera remonter de ce pays dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. » Dieu a visité déjà son peuple en Jésus une première fois. Et la deuxième fois, ce sera pour nous faire sortir. Remonter. Donc, cette perspective très grande dans cette histoire qui nous amène jusqu'au retour de Jésus. Oui. Amen. Alors, ne perdez pas espoir, ne perdez pas la foi. Gardez cette espérance, justement, pour le retour de Jésus. Tu veux prier pour nous, hein, Joël? OK. Merci beaucoup. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions parce que tu nous as laissé de belles promesses dans ta parole et tu veux et tu vois les accomplir selon ta volonté. On te demande que tu puisses nous aider à qu'on puisse garder l'espoir, l'espérance que cela va s'accomplir et qu'on soit pris. Et nous aussi, pas seulement à garder cet espoir pour nous autres, mais aussi pour les gens qui nous entourent, qu'on puisse être une bénédiction et que nous tous, on soit un jour dans la terre promise. On te demande tout cela au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Merci, Jairo. Merci Paul. Merci. Et on vous invite à être avec nous la semaine prochaine, où on va débuter une nouvelle étude, un nouveau trimestre. Et on souhaite que vous soyez avec nous pour ces études. Soyez bénis. Que Dieu vous garde au cours de cette semaine.